Salut à tous, aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo et je veux pas omettre de vous dire j'ai franchement aimé les retours de la toute première. C'est surtout quand j'ai vu vos remarques dessus. Mais 3 dislikes. J'imagine que ça doit être des partisans du Punet puisqu'ils n'ont pas aimé le truc et bon, ça me fait plaisir qu'ils n'ont pas aimé parce qu'en fait ils sont hier fourrés dans la merde et voilà. Et on va parler d'un sujet un peu délicat, maquillage, extension de cheveux, ongles, etc. De tout ce qui touche à la jambe féminine quoi. S'il vous plaît, il faut savoir un truc, les filles, on vous aime, le naturel c'est ça qu'on aime en fait, sérieusement, le naturel c'est bien. Je veux pas des feux d'artifice. Il serait très bien de remarquer que le maquillage n'est pas un phénomène nouveau, ça date de très très longtemps, oui, mais il est arrivé à un niveau vraiment très extrême ces dernières années. On va pas se mentir, avant moi je pensais que la pire arnaque était celle de l'élection de Donald Trump, Maintenant, c'est le maquillage. Oui, je vous l'assure, le maquillage, c'est la pire arnaque du 21e siècle. Mais mon Dieu, excusez-moi l'expression, mais ça part en couille là. Taper tout un peu de peinture sur la face, ça devient n'importe quoi. Pourquoi vous avez besoin de vous raser le sourcil? Bah, laissez vos sourcils, ils sont tout naturels là, mais vous les coupez complètement pour mettre un crayon que vous mettez là sur le visage du crayon. Bon, simplement une petite situation, hein. Si votre créateur, lui, il vous avait donné des sourcils collés, ou des sourcils, je sais pas quoi, qui sont ici, comme vous avez l'habitude de les dessiner, ou comme ça, qu'est-ce que vous auriez dit exactement? Qu'il est mauvais, c'est ça? Yo Dieu, pourquoi tu pleures? Je pense que le bon Dieu ne m'aime pas. Tu aimes tout le monde, et qui? Comment tu peux dire les choses comme ça? Pourquoi il m'a donné de gros soucis collés? Tes mots sont vieux. Je vais t'en prendre un peu à Gaïsensei. Je suis sûr que ça ne vous plairait pas. C'est tellement risqué au 21e siècle de sortir avec une fille que il y a des techniques pour pallier à ces problèmes-là. Oui, l'une des techniques que je conseille beaucoup aux garçons, c'est quoi, hein? Le premier rendez-vous à la piscine. Ouais, ça c'est la meilleure des idées et on va pas en douter là-dessus. T'es là ma chérie? Nage. Non bébé, je ne veux pas. Nage d'abord bébé. Ouais, tu vas d'abord nager. Nage d'abord et après on voit la suite. Ah, croyez que j'étais con? Je pense qu'un de ces jours on va commencer à commercialiser même les parties, je crois, que vous allez acheter au marché. Oui, oui, je l'imagine. C'est combien le nez là? Ouh, je vais le rajouter sur mon nez est trop petit. Il faut que je le rajoute. Ouh, je vais les joues. J'ai un peu des joues très mec. Je vais laisser ça dans mon paquet. Ou comme votre histoire de manicure. Ouais, la manicure, vous avez besoin de vous faire les ongles, etc. et tout. Est-ce qu'on en convient que ça c'est bon? Oui, c'est bon. Mais ça, c'est quoi? Expliquez-moi, ça c'est quoi? Je suis des gars dans des transports en commun ou dans une banque. Vous entrez avec ça. Moi je vous chasse. Ah oui, c'est clair. Ça sont des armes massives. Ça vous sert à quoi? Et ces filles qui ont l'habitude de faire exactement rouge, bleu, vert, jaune, étoile. Mais une seule couleur, ça ne vous suffit pas. Il vous a menti que c'était trop beau. Non, mais je ne sais pas. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour Thanos? Vous croyez qu'en temps, vous avez les pieds de l'infini sur les ongles jusqu'à ce que vous ayez besoin de mettre toutes les couleurs sur les ongles? Prenez un seul choix, vous mettez et on quitte les problèmes. J'avais gardé le meilleur pour la fin, les cheveux. Oui, je parle bien des cheveux aussi. On a l'habitude d'appeler greffe. On appelle ça des extensions de cheveux. Vous n'aimez pas vos cheveux, c'est clair. Moi, je me disais que c'était des extensions de cheveux synthétiques. Mais non. Ça sort franchement des cheveux d'une autre personne. On lui a coupé ça sur la tête et on vous a refourgué ça. Comment vous arrivez à mettre quelque chose qu'on a coupé sur la tête de quelqu'un sur votre propre tête? Ça ne va pas dans votre tête, ça fait comment ici? Il y a quoi dans votre tête? Il y a quoi? Si vous suivez une fille, vous dites brésilienne. Sachez qu'on a coupé ça sur la tête d'une brésilienne, d'indienne. Sachez qu'on a coupé les cheveux là sur la tête d'une indienne. Pour moi, ça montre combien de fois vous n'aimez pas vos propres cheveux. Ouais, c'est clair. Comment vous pouvez mettre des cheveux qui viennent d'ailleurs sur vos têtes? Vous savez comment ils sont faits ces cheveux? Là, c'est très glauque. Ils sont donnés gratuitement dans des temples pour prier un dieu, etc. Même si quelqu'un est en train de prier que sa maladie quitte sur lui, prenez ces mêmes cheveux. Vous tapez sur votre tête. Comment même la folie ne va pas vous poursuivre? C'est vous qui prenez le mauvais tête, vous mettez sur la vôtre. Voici comment moi je vois vos extensions de cheveux que vous acheter de partout. Oh, docteur, oui, tu aurais pas quelque chose pour mes poils pubiens là? Ils sont trop petits. Exactement ce qu'il te faut. Des poils pubiens brésiliens. Merci pour ces poils pubiens brésiliens. Mais c'est dégueulasse. Les poils pubiens de quelqu'un d'autre sur moi. A few moments later. Prends ça. Vas-y. Ah merde, dégueulasse. Et dégage, mouf. T'es rien, moi je te raconte juste une histoire.
Et toi, tu vas dire quoi des femmes qui mettent ça sur leur tête chaque jour, matin, midi, soir? Pouah, elles sont crades, vieux. En fait, ça me prouve combien de fois vous n'aimez même pas votre propre nid, vous n'aimez pas vos propres cheveux, vous n'aimez pas les cheveux crépus, vous cherchez à voir juste des cheveux lisses. Le plus intéressant, c'est quand sur les réseaux sociaux, on vous voit de gauche à droite à dire Black is B. Nique ta mère! Oh. Eh bien, on arrive au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et aussi, de vous abonner à ma chaîne. Sinon, je me trouve également sur Twitter. Si vous avez quelque chose à dire, passez par là-bas.